les enfants. Venez faire un gros câlin à votre papa. Mais t'es pas un peu fou, non? Tu sais pas qu'un câlin génère une chaleur de plusieurs milliers de kilowatts? C'est super pas bon pour le réchauffement climatique. Oh, ma petite poulette, viens donc dans mes bras. Désolé, mais c'est interdit par Al Gore. Il commence à me chauffer les oreilles, cet Al Gourou. Bon, c'est quoi que vous voulez? On va prendre une soupe au chocolat, ensuite des hamburgers sauce choco et puis de la mousse au chocolat. Et comme boisson, votre meilleure bouteille de lait au chocolat. Oui, oui, rien que ça. Et vous comptez payer comment? Avec ça. Mais ce sont des pièces en chocolat. Et tu peux garder la monnaie, petit vénard. C'est bon pour la santé, hein? Ah oui, je me sens déjà beaucoup mieux. Dis donc, t'es pas fatiguée, toi? Ah oui, allez, viens, on rentre. Oh, c'est atroce. Chaque année, j'ai une ride de plus. Pour savoir mon âge, il suffit de compter mes rides. Chérie, prends ton porte-monnaie. Je t'emmène dans un bon restaurant, ça te changera les idées. Ah oui, ça me fera du bien, une petite salade de concombre au guacamole. Ah non, t'es déjà bien plus belle comme ça. Alors, c'est ça, ASDF? Chut, ne dérange pas, il est en train de lire son journal. Mais c'est trop triste, il est tout seul, ça doit faire des mois qu'il a pas pris un bain. On devrait l'aider, tu crois pas? Attends, j'ai une idée. J'ai cru que c'était aussi crevant de boire toute la journée. Camarade, à la prochaine. Alors, Paz, c'était bien la journée de sport avec tes collègues de bureau? Super chouette. On a fait du vélo cross. Oh, toi, t'es un grand sportif comme je les aime. Oh, oh. Mes chères petites, j'ai étudié votre rythme de sommeil et découvert quelque chose de très étrange et inquiétant. D'après les tests, vous vous réveillez précisément toutes les 5 secondes. Il va donc falloir tout recommencer depuis le début. Ça y est, tu dors? Non. Tu dors? Non. Tu dors? Non. Et toi? Les filles, ça suffit! Arrêtez de traîner les pieds comme ça! Ou sinon... Ou sinon quoi? Résumé, un éclair est une décharge électrique de 10 000 ampères. Y a-t-il des questions? Oui, qu'est-ce qu'il ne faut jamais faire quand on est en race campagne et qu'il y a un orage? Bonne
question. Qui a la réponse? Bien, y a-t-il d'autres questions? J'aime Super Beat Extrême. C'est quoi cette bombe? Vous voulez me faire péter mes baffles? Ah, voilà! Ça, c'est de la vraie bonne musique. Allez, on va se faire plaisir, on écoute. Suivant! Ok. Je vais d'abord tester vos réflexes. Si je tape le genou ici, que se passe-t-il? C'est là que ça fait mal! Oh non! Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Des traces de vie extraterrestre. On a des agroglyphes dans notre jardin. Mais comment est-ce possible? J'appelle l'armée! Oh mon Dieu! Je me demande bien ce que les parents vont penser de notre super tondeuse écologique! Mais où est passée ma cire à épiler? Ça alors! Payelty! Kinky et Cozy, c'est vous qui avez pris mon pot de cire? Kinky et Cozy, où est ma cire? Vite pour ça! Alors là, c'est pas nous! C'est des extraterrestres qui ont dû faire ça! Alors, les filles, est-ce qu'elle vous plaît, la nouvelle voiture de papa? Moi, je trouve que tu te la pètes un peu avec ta grosse bagnole. Ouais, franchement, un 4x4 pour rouler en ville, ça sert vraiment à rien. On ne sait jamais. L'aventure nous attend peut-être au coin de la rue. Ah, alors, vous voyez, qu'est-ce que je vous disais? Ah, on y est. Sans ce 4x4, on ne serait peut-être jamais arrivé à la maison. Ouais. Voici notre dernier modèle. Il est 100% bio. Il fonctionne à l'herbe et aux carottes. C'est vrai, ça? Ouais, mais elle a combien de chevaux sous le capot? Juste un seul. Waouh, c'est super propre! Ça suffit. Cette fois, j'en ai marre. Je vais leur apprendre la propreté, moi. Mais maman! Tout le monde se moque de nous à l'école! Tais-toi, toi. Sinon, je vous mets le masque. Je suis rentrée. Hé, dis donc pas! T'as plein de rides sur le front! Oh, mon pauvre chéri, tu te fais trop de soucis à cause du travail. Oh, oh mon grand fauve, tu as le lubrifiant à portée de main. Les enfants, papa et maman vont monter dans la chambre pour se coucher.
Ok. C'est pas vrai. Depuis qu'ils ont acheté ce gel, c'est la fête tous les soirs au premier étage. Ah ouais, tu l'as dit. On entend même plus que des à la télé, c'est dingue. Bon, ça suffit. Donnez-moi ce gel. Voilà, vous pouvez continuer. Waouh, il est super efficace ce gel. Avoir pris, monsieur. J'espère que demain notre bus sera réparé. Cosy, passe-moi le poulet. Cosy, tu veux bien me passer le poulet? Je crois que la date limite de consommation est légèrement dépassée. Comment tu le sais? Une copine sur internet. Tenez, la voilà. Ben dis donc, elle avait pas mis sa photo avec son profil. Je suis sûre qu'elle doit avoir plein d'autres qualités. Ouais, elle s'appelle Tamara. Tamara? Ne me dis pas que c'est son prénom qui te plaît. Même pas, ma meuf d'avant s'appelait aussi Tamara. J'avais dit qu'elles oublieraient pas que c'était leur petit lapin. Oh, je sais comment faire. Passe-moi leurs assiettes. Je vais leur faire un bonhomme rigolo. Bon appétit, les filles. Bon sang, mais qu'est-ce qu'il y a encore? Chérie, c'est la Saint-Valentin aujourd'hui. Et si on allait fêter ça là où mon bel étalon? Dites donc, c'est super que vous soyez d'accord pour une fois, mais vous pourriez pas le dire moins fort. Ah voilà, ça y est, c'est reparti. Je commence vraiment à en avoir marre de tous ces jeunes qui écoutent leur musique boum boum à fond en voiture. On dit pas boum boum, on dit techno. Boum par-ci, boum par-là. Moi j'appelle ça de la boum boum. C'est bizarre, les rues sont complètement vides. D'habitude, c'est plein d'enfants qui jouent, ils sont où? Oh, ouais! Ouais, là! Il y en a une autre, chope-la! Ouais! Oh, ça doit faire mal! Montrez! Cosy, tu es en retard! Désolée! Ah, et où est Kinky? Je crois qu'elle attend le prochain train! Bah,
Vous venez pas à l'école à pied normalement? Ah! Te voilà enfin, fichu train! Oh, il est trop mignon! Vous ne préférez pas quelque chose de plus petit? Non, c'est lui qu'on veut! Attention les filles, un hippopotame ça demande beaucoup de soins. Ouais, pas comme le poisson rouge et la petite tortue. Il vous intéressait plus au bout de deux jours. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est papa qui s'en est occupé. Mais tu avais dit qu'on pourrait choisir celui que vous voulez. Tu vois, ça n'a pas traîné. L'hippopotame est là depuis quoi? Deux jours? Et c'est déjà moi qui nettoie son caca. Ok, c'est bon, papa va s'en occuper. Excite à mort. Fais gaffe, on va se faire flasher. Ouf, c'était moins une. Hey, c'est quoi ce bazar? On dirait qu'il y a encore un problème avec le nouveau radar ici. Adios à mes spaghettis. On est malade! Trop malade! Mon œil, petite Maline, c'est encore une de vos excuses pour pas aller à l'école. Non, c'est vrai! Ah non, cette fois-ci, vous m'aurez pas. J'ai acheté un détecteur de mensonges sur Internet. On va vite voir si vous mentez. Ah, vous voyez? Transpiration excessive et rythme cardiaque anormal. C'est la preuve que vous mentez toutes les deux. Allez, debout, direction l'école et plus vite que ça! Crevez tout, ça va pas les gars? Doucement avec les pommes si vous voulez garder vos boulots. Vous imaginez peut-être que les clients veulent des fruits abîmés. D'accord, patron. C'est grâce à votre maman, elle a trouvé un nouveau boulot. Elle a trouvé du travail... du travail à domicile. Oui, c'est ça, du travail à domicile. Ah ouais? Elle gagne plein d'argent en repassant? Oh, tu es un chaud lapin, toi. C'est comme ça que je les aime. Bien chaud, viens là. Viens tout près de ma culotte, petit coquin. Oh oui, vas-y. Oh oui, vas-y. Oui, oh, donne-moi tout. Oh.
Roger, brûlez-moi vite. N'arrive pas à lire mon journal, bon sang. Ah, je suis désolé, monsieur, mais il y a un malade qui nous colle au train et j'essaye de m'en débarrasser. Mais qu'est-ce qu'il veut à la fin? Je peux pas rouler plus vite, je suis déjà à fond. Oh, tu vas la tourner, cette page! On a déjà tous fini de la lire, mon vieux! En plus, on parle trois langues étrangères. Le verlan, jour bon, dama. Vous me prenez combien, ça comme? Également le schtroumpf. Bon schtroumpf, madame. Vous me schtroumpfez bien à cause de vous schtroumpf comme ça. Et le rototo. Bon, je vous comprenez. Ça s'est bien passé, non? Ouais, on va l'avoir, ce job. Hé, Woody, on s'est dégoté un super job pour les vacances. Ouais, trop cool, on va faire la vaisselle tout l'été. Faire la plonge? Bah, mais c'est naze, ça, comme boulot. Non, attends, on t'a pas dit, c'est chez un glacier. Voilà, c'est là. Salut. Oh, où est passé mon shampoing colorant? Il faut que je me prépare pour le bal de ce soir. Oh non, Kazan, qu'est-ce qui t'est arrivé, mon chien? C'est ça que tu cherches, moi? Non, mon shampoing colorant. Mais qu'est-ce que je vais faire? Tous les magasins sont déjà fermés. Attendez, j'ai peut-être une solution. Qu'est-ce que t'en dis, Sabrina? 3000 euros pour une voiture toute neuve! Ben, je sais pas trop, pour une voiture neuve, elle a un peu beaucoup de rayures. Rien que celle-là, par exemple. Hé, regarde là, derrière toi! Quoi? Quoi? Tu sais, cette raflure, c'est Georges Clooney qui l'a faite! Vraiment? Oh, c'est dingue! Oh, s'il vous plaît, vendez-moi cette auto! Oui, mais ça va te coûter 500 euros de plus! Regardez ce que j'ai acheté sur Internet. Un revolver 9 mm. Waouh, trop cool! On peut l'ouvrir, s'il te plaît? Oh, ce n'est pas un peu dangereux? T'inquiète pas, chérie. C'est sûrement pas livré avec les balles. Oh non, Kinky et Cozy! Qu'est-ce qu'il y a? J'en ai ras-le-bol! Regarde! J'ai déjà plus de forfait! Tout mon fric passe dans ce téléphone! Ça me surprend pas du tout! Tu passes toutes tes journées à envoyer des textos? Ça suffit! Je dépenserai pas un seul centime de plus! Compris? Ah! Eh ben voilà! Comme ça, tu t'es un peu calmé sur les textos! Ce soir, l'empreinte carbone de notre dîner est très faible! Oui! On a tout acheté chez les producteurs locaux! Bah! C'est quoi ces émissions intempestives de CO2? Bravo! Mais qu'est-ce qu'il y a dans cette soupe? Des oignons et des haricots blancs. Oups! Désolé. Oh, pitié! Oui, pardon! Mais arrêtez! Vous tuez la planète! C'est la fin du monde! Désolé! Je n'ai plus une seule paire de tongs à votre taille. Mais si vous voulez, je peux vous les commander. Mais il nous les faut tout de suite! On part en vacances demain! Tant pis! Dans ce cas, on prend une taille au-dessus! À votre place, je ne ferai pas ça! Les tongs ne sont pas des chaussures recommandées pour des enfants de votre âge! Alors si en plus vous les prenez trop grandes, vous allez déformer votre pied et plus tard... Forte! On va prendre celle-ci! Merci! Salut! Salut! Sale moustique! On va pas se laisser bouffer sans rien faire! Crève, suceur de sang!
toutes les bourses s'effondrent, c'est la panique totale. Aucune action n'est épargnée et les pertes sont très lourdes. Oh non! On est ruinés! C'est une catastrophe! Ah, tout ça, c'est de ta faute. En plus, tu n'as jamais rien compris à la bourse. T'es qu'un loser! Ah, regarde Michel Grossou, ça c'est un homme, un vrai. Et il s'y connaît en bourse. Le meilleur investissement en ce moment, si tu veux faire un gros paquet de fric, c'est le charbon. Et la pomme de terre aussi, ça va faire un malheur, la pomme de terre. Faut... Le charbon, la pomme de terre, c'est noté. Bientôt, je serai milliardaire. La purée. Allô? Pas! Mais enfin, qu'est-ce qui te prend? Laissez-moi tranquille, les filles. Votre père n'arrive même plus à payer les factures de gaz. Alors je préfère en finir avec la vie. Mais tu es dans un four électrique, pas! T'es sûr que ça marche aussi? Ah. Et ça continue, c'est incroyable! On peut même plus se suicider tranquille! Maître de Gris, puissier de justice. Ah, viens voir. Pas d'argent pour payer cette dette, mais assez pour partir en vacances au soleil, hein. La prochaine fois, mettez de la crème. Docteur, je crois que je suis dépressif. Oui, je vois. Pour commencer, il faut à tout prix éviter l'alcool, hein. L'euphorie d'une bonne bière bien fraîche, sortie du frigo, est seulement temporaire. Ensuite, elle laisse place à l'angoisse. Contre la dépression hivernale, il n'y a qu'un seul remède, la lumière. Beaucoup de lumière. Ah bon? Alors vous voulez dire que je me mets devant une lampe, ça y est, je suis guéri? Exactement. Ah non, je parie qu'il est encore fourré dans la cuisine. Mon canard, tu sais pourtant ce que le docteur a dit. Tu ne dois plus jamais boire. S'il te plaît, éloigne-toi de ce frigo. Ah, la lumière! Oh, ils sont vraiment pas faciles à ouvrir, ces ouvertures faciles! Qu'est-ce que j'essaye de faire? Voilà! J'ai fait installer un pont élévateur. À partir de maintenant, c'est moi qui répare la voiture. Mais pas! Tu connais rien en mécanique! Non, mais je m'y connais en facture. Et la dernière fois chez le garagiste, ça m'a coûté les yeux de la tête. Alors à ce prix-là, je peux facilement l'entretenir moi-même. Allez, au boulot! Ok, comment ça marche? Bon. Chérie, tout va bien? Oui, mais je crois que les réparations vont coûter un peu plus cher que prévu. On ferait mieux d'acheter une nouvelle voiture. En tout cas, le pont fonctionne super bien. Chérie, j'adore quand tu te déguises pour moi, mais tu viens vraiment beaucoup trop tôt. Tu sais comment ça s'allume, toi? Je n'en sais rien. Demande plutôt à quelqu'un qui fume. Moi, en principe, je ne fume pas. Moi non plus. Rien, mais j'étais pourtant sûre d'avoir mis mes clés dans mon sac. C'est
Alors, laisse-moi deviner. On a encore perdu les clés. Oui, j'en ai bien peur. Pour une fois, mon mari n'est pas à la maison. Pas de problème. J'ai exactement ce qu'il te faut là-dedans. C'est gentil, mais ça va vous coûter combien, cette histoire? Bah, je vais pas te mentir, hein. Ça va chercher dans les 500 euros, tu sais. 500 euros? Juste pour une clé? Ah non, hein. Pas pour la clé, hein. C'est pour la vitre. C'est réparé. T'arrives à respirer là-dessous? Oui, oui. Madame, cette fois, Kinky et Cozy ont dépassé les bornes. Elles ont carrément imité votre signature sur leur bulletin de notes. Mais ça, c'est ma vraie signature. Achetez-vous une paire de lunettes, mon petit vieux. Possible, il pleut beaucoup trop. Montez dans la voiture, je vous emmène. C'est en vélo qu'on veut y aller. Ok. Pas la peine de s'énerver. Ah, c'est beau pour la santé, le vélo. Ce qui conclut notre cours sur les aliments. Bon, et vous, les enfants, dites-moi un peu ce que vous allez manger ce soir. Kinky et Cozy. Saucisse, purée de pommes de terre et puis des choux. Et toi, Benny? Ah, bacon cheeseburger, des saucisses TV, des nuggets de poulet, des frites avec un peu de pizza quatre fromages, des pommes dauphines avec du ketchup. Excellent choix, bravo. Et toi, Kevin? Moi, c'est une surprise, mais ce sera un dîner aux chandelles. Wow, ça a l'air très chic. Papa, je me demande bien ce que c'est la surprise ce soir dans le colis de l'aide alimentaire. Hé, gros Benny, pourquoi tu surveilles pas un peu plus ton poids? Ben, c'est un peu tard pour un régime. Une liposuccion, c'est ça qu'il te faut. Ouais, ça se fait beaucoup en Inde. J'ai vu un reportage à la télévision. Ouais, c'est hyper passeur et super rapide. Le tourisme médical, c'est le nouveau truc à la mode. Liposuction! Yes, yes! Very pas cher, very quick! Veuillez-vous coucher ici, please? Les cigognes nichent en haut des grands arbres ou sur les toits des maisons. Oh, c'est tellement beau, c'est bête! C'est dommage qu'elles passent jamais par chez nous! Oh zut! Encore des problèmes avec cette fichue antenne parabolique! Je te parie que c'est encore le chat! Allez! Sale chat, barre-toi de là! Attends, prends cette chaussure! Au secours! Personne ne nous entend! Hé, y a quelqu'un! À l'aide! Vous êtes vraiment trop belle. Et votre banquette de veau presque aussi bonne que celle que faisait ma mère. Scarlett, embrassez-moi. Embrasse-moi. Allez.
Il n'y a vraiment qu'au cinéma qu'on profite du son surround comme ça. Oui, c'est génial. On se croirait au plein cœur de l'action. Docteur, j'ai des rides plein la figure. Il me faut un lifting. Non, 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 c'est une très mauvaise idée. J'ai quelque chose de bien plus efficace. Il suffit simplement de détourner l'attention. Ce dont vous avez besoin, c'est une augmentation mammaire. Sérieusement? Une augmentation mammaire? Waouh, bébé! Cette opération est une vraie réussite. Je n'arrive même plus à voir tes rides. Quoi? Déjà? Ne touchez à rien! J'arrive tout de suite! Quoi? C'est tout? Allô? Pas? C'est un petit peu pas terrible, en fait, la 3D! Mais je vous avais demandé de ne rien toucher! Je parie que vous l'avez déjà cassé! Ah! Waouh! Dément l'effet 3D! Remets au début! Chaque année, notre cartable est de plus en plus lourd. Oui, tout ça à cause des livres de maths à Simi qui pèsent une tonne. La vache, t'as encore un plus gros cartable que nous. T'as pris quoi comme option, toi, cette année? Qui, moi? Chauffeur de camion. Je vous jure que c'est vrai, monsieur l'agent, elles étaient deux. Oui, c'est ça, deux petites filles, elles m'ont piqué ma plus belle auto-tamponneuse. Règle 130. Bouclez-moi toutes les routes dans un rayon de 10 km. Bien reçu. Elles iront pas bien loin. J'en ai vous demandé si vous aviez bu de l'alcool, mais je crois que j'ai ma réponse, hein. Oh. Hey, vous deux, pourquoi est-ce que vous tremblez? Ben, c'est que nous aussi, on a bu, monsieur l'agent. Oui, des boissons énergétiques. Des boissons énergétiques? Ah, ça tombe bien. Avec ce qui vous attend, croyez-moi, il va vous en falloir de l'énergie. Benny! On se tait pendant la classe! C'est pas moi, monsieur! J'ai rien dit, je vous jure! Benny! Maintenant, ça suffit! Cette fois, tu vas dans le couloir! Merci, Benny! Oh! Kinky et Cozy, enfin! On vous cherche partout! Oh là là, j'ai pas encore fermé l'œil de la nuit à cause de toi. Tu m'as réveillée au moins 10 fois en allant aux toilettes. Non, 13 fois. 13 fois? T'as encore bu comme un trou hier soir pour pas changer. Et j'ai fait tout ça par amour pour toi, ma chérie. Alors ça, c'est un peu fort de café. Maintenant, si tu te saoules comme un cochon, c'est par amour pour moi. Regarde par la fenêtre si tu ne me crois pas. Oups, il faut que j'aille encore faire pipi, moi.
Je t'aime, mon amour.